Je m'appelle Magda Abouda-Garkarat. Je suis généticienne de plantes et je suis exploratrice de National Geographic. Aujourd'hui, on est au parc Disneyland Paris avec un groupe de jeunes qui sont venus regarder, explorer la flore qui existe sur le parc. En fait, sur le parc Disneyland, il n'y a pas que les attractions. Chaque arbre, chaque plante qui est là, elle a une histoire à raconter, elle a des choses intéressantes à montrer. Les plus petits, on les a regardés avec des loupes, les grands arbres, on les a boxés. Il y avait plein de choses intéressantes à voir et à découvrir. Je m'appelle Pierrick, je suis senior manager du service horticulture à Disneyland Paris. Alors à Disneyland Paris, nous avons une multitude, une quantité d'arbres importantes, 35 000 arbres, 20 000 pieds de bambou et on peut planter jusqu'à 800 000 fleurs par an. La partie environnementale est très importante à Disneyland Paris. Nous faisons de l'éco-pâturage, nous avons des ruches, nous faisons du miel, nous avons un potager également. Ça fait partie de la biodiversité à Disneyland Paris. Moi-même, je ne m'attendais pas à trouver autant de diversité sur ce parc. En fait, on a sur les différentes landes, différents écosystèmes, différents arbres qui ont chacun une histoire à raconter. Donc j'ai partagé ça avec les jeunes et c'était super intéressant. On ne se rend pas compte que les arbres et la végétation contribuent à la magie de Disney. On a vraiment appris sur comment ils vivent, comment ils évoluent. On a passé une belle journée ici, content de venir à Disneyland Paris. C'est une journée spéciale, c'est une journée que je n'ai jamais faite dans ma vie.